La taxe foncière 2022 est arrivée. Pour tous les propriétaires, elle est plus salée qu'en 2021. Le paiement de cet impôt peut représenter un mois de salaire. Sur l'agglomération de Périgueux, l'une des causes de cette hausse, c'est la décision du Grand Périgueux d'augmenter de 30% son taux de prélèvement. L'augmentation à la base devait avoir lieu en 2017 et on l'avait repoussée d'année en année. Et puis finalement, face à la quantité d'investissement, le projet pluriannuel d'investissement qui cette année va consacrer 40 millions d'euros, eh bien on a décidé d'appliquer un point. Ce point en plus va apporter 1 million d'euros supplémentaires dans les caisses de l'agglomération. Ce choix budgétaire a provoqué des frictions au conseil communautaire où la maire de Périgueux avait marqué son désaccord. Par souci de ne pas accabler les classes moyennes. À Périgueux même, la taxe foncière atteint depuis des années des montants très élevés. C'est lié notamment au fait que la ville de Périgueux assume des charges pour l'ensemble de son agglomération qui sont dites des charges de centralité. Qu'est-ce que c'est les charges de centralité ? Ben, c'est le financement de la voirie pour pouvoir aller à l'hôpital. C'est le financement du conservatoire, des installations sportives pour les collèges et les lycées. Cet impôt local est basé sur la valeur locative des logements, une valeur qui varie suivant les quartiers et le niveau de confort du bâtiment. Cette taxe est aussi liée à l'indice des prix à la consommation, un chiffre à la hausse cette année, plus 3,4%. Pour un contribuable qui habite dans une collectivité locale qui a augmenté son taux de 1%, augmentation très modeste, eh bien la conjonction de l'augmentation de la base 3,4% plus l'augmentation du taux de 1 point, bien fait un différentiel sur l'avis d'imposition entre 2022 et 2021, un différentiel de 5,5 points d'augmentation. Pour les propriétés non bâties soumises aussi à la taxe foncière, les impôts font cette année une faveur aux agriculteurs touchés par la grêle. Des dégrèvements sont prévus sur 156 communes.